plus grande fête agricole d'Europe a posé ses valises le temps d'un week-end à Javenay, dans le pays de Fougères. Cette année, ce sont les jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine qui ont organisé l'événement pour accueillir pas loin de 100 000 personnes sur 100 hectares de terrain. Quelle joie d'être ici aujourd'hui dans ce bel événement Les Terres de Jim et à l'occasion de rentrer aussi dans ce merveilleux stand de Crédit Agricole. Et oui, on va aller à la rencontre des administrateurs et des salariés et aussi des personnes qui sont en train de profiter de cette belle journée et des animations de stand. Venez avec moi. L'implication est très agréable, on mène des actions en faveur du territoire pour développer un petit peu toutes les actions qui sont menées à la fois par les agriculteurs, mais il y a aussi d'autres actions, même pour des enfants atteints de maladies rares. Enfin, il y a vraiment plein d'actions en faveur de la proximité et aussi pour être proche des clients du Crédit Agricole donc, et des enfants. Comment ça se fait? Aujourd'hui, on est dans une journée de travail, on est dans une journée festive, ça veut dire quoi exactement? Travail en même temps qu'on fait la fête au Crédit Exactement. Agricole. Dans le cadre du plan de développement économique, c'est une des premières en France, une des premières dans toutes les caisses régionales, où administrateurs et salariés, on veut faire un projet économique commun pour développer le territoire. Et en fait, ce projet-là, on l'a fait au travers du circuit court et de la vente directe. On s'est unis, nous, administrateurs et salariés, en disant il y a quelque chose à faire. On a des producteurs, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas forcément fédérés entre eux. Ben, l'idée, c'est de mélanger tout ça, de faire une super mayonnaise, et après de les faire connaître. Vous voyez, on a une énorme carte ici, on a recensé tous les producteurs, on a été les voir un par un, on a été les démarcher pour leur dire « Est-ce que vous voulez participer à ce stand-là » On va être ici à Terre de Jim, il y a plus de 100 000 personnes qui vont être là, c'est un moyen de vous mettre en valeur, et ça c'est qu'une première étape. Et donc vous, en tant qu'élu, vous êtes les personnes qui vont faire le relais entre les clients de la banque et ceux qui sont en pack office, on peut dire ça comme ça? Exactement, nous sommes le relais auprès des clients. Et nous sommes très impliqués au niveau du territoire, tout ce qui est mutualisme, la solidarité, la proximité, ce sont vraiment des valeurs que porte le Crédit Agricole. C'est des projets de vie. L'agriculture, c'est un métier avec un engagement très fort. Je suis moi-même de ce milieu et voilà, donc il y a des hommes et des femmes qui s'impliquent, c'est pas juste un métier. En général, ils peuvent pas changer au bout d'un an ou deux, hein. Enfin, ils s'impliquent pour une durée assez longue. Donc voilà, quand on les installe, on a à cœur que ça se passe bien et de les installer dans des bonnes conditions. Ça va, vous êtes pas trop mal les filles? On est bien là.